Papa Morgan, il t'a désobéi. Pardon? Morgan, ouvre cette porte! Il est plus quelle heure? Il y a passé la journée. Morgan, ouvre, je te jure que ça va barder. Recule. Je peux savoir ce que t'es en train de faire? Bah, mes devoirs. Qu'est-ce que je t'avais dit? Pas de devoirs sous mon toit. What? On est qu'encre de père en fils et je refuse d'avoir un enfant studieux. Alors maintenant, tu poses ton fessier et tu joues à la console. Papa, j'ai trouvé ça sous son lit. C'est quoi cette note? Je te jure, papa, je vais arrêter de réviser. Privé d'école pendant une semaine? Non. Et ce soir, tu me feras le plaisir de rester sur ta console jusqu'à 3h du mat. Ah non, j'en ai marre d'avoir ça à la maison. Mais papa, y'a pas de mais. Tu trouves que c'est une vie de passer son temps à jouer et à manger? T'es méchant. C'est moi qui commande dans cette maison. Allez, tous en voiture. Vous savez les filles, je ne fais pas ça par plaisir. T'es le pire papa du monde. Papa Essan. Vous comprendrez plus tard pourquoi je fais ça. Je le sais déjà, c'est parce que t'as pas de cœur. Non, c'est que je ne peux pas nourrir tout le monde et à un moment, il faut faire un choix. Papa est moche. Ça suffit, je ne veux plus en parler. Allez, ça suffit maintenant, donnez-le-moi. Je ne regrette pas mon choix. Tu as toujours été le plus sage et le plus obéissant. Papa est fou et cul. Les enfants? Anaïs veut me faire du mal. Coucou papa. Coucou ma puce, où est-ce que tu étais? J'étais partie jouer dehors avec ma copine Eden. Quelle excuse bidon, je sais ce que tu prépares. Il faut que je frappe en premier. Ça va papa? Oh, fais attention ma puce, t'es la saison des fêtes. What? Papa, elle est où Anaïs? Elle est en train de faire un peu de jardinage, pourquoi? Bah, elle m'a demandé mon avis sur son dessin. Ah oui, son fameux dessin, il est sur la table. Oh, excellent! Ah ouais, tu trouves? Bah ouais, avec ça, elle aura une bonne note, elle a respecté les consignes. Comment ça? C'est son devoir pour demain. Bah, qui est votre père en clown pour le carnaval? Papa, y'a un garçon à l'école qui... Pardon? Ok, tu vas maintenant apprendre à te défendre. Vas-y, attaque-moi! Papa, je veux pas te faire de mal. Mais mince, attaque-moi! J'ai gagné? Non, je peux encore t'atteindre et t'agresser. Frappe encore. Ah, ah mais c'est un merde, ça pue. J'ai jamais eu autant mal. Papa, je veux plus. Mais je peux encore bouger. Achève-moi. T'as le pire père au monde. Je te déteste et t'es moche. Bravo ma puce, n'hésite pas à attaquer verbalement. À votre âge, c'est traumatisme garanti. D'accord. D'ailleurs, il t'a fait quoi ce garçon? Il m'a dit qu'il m'aimait pas. Quoi? Mais on n'oblige pas les gens à aimer quelqu'un. Je veux qu'il m'aime et il va m'aimer. Papa, il me saoule. Moi aussi, j'ai plus envie de le voir. À partir d'aujourd'hui, on l'ignore. Coucou les enfants, bien dormi? Les enfants, ça va? Morgane, ça te dit une petite partie? Anaïs, ma puce, réponds-moi, je te promets, on va au magasin acheter des papites. Oh mon Dieu, ils ne le savent pas encore. Mais leur père est mort. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux et que personne ne me voit. Chérie, c'est normal qu'il y ait le voisin qui court entièrement à poil dehors. Flash spécial, un homme a surgi entièrement nu dans un centre commercial avant de manger plusieurs denrées et de se faire arrêter par les forces de l'ordre. On n'est pas allé un peu loin? Bah quoi, là au moins on le verra plus. Papa, tu peux m'acheter le dernier Pokémon? Purée, mais tu crois que l'argent ça pousse sur les arbres? Bah oui. Mais n'importe quoi! Et bah regarde ce que j'ai planté derrière toi. Mais c'est quoi tout ça? Bah, c'est mon arbre. Mais ça pousse vraiment sur les arbres? Tu le savais pas? Mais normalement, on raconte ça aux enfants pour qu'ils nous foutent la paix. S'il y avait que là qu'on trouve de l'argent. Ah bon? Il y a un autre moyen? Qu'est-ce que tu me dis souvent d'autre? Que l'argent ne sortait pas des fesses? Non! Elsa... C'est pour ça qu'on appelle ça de l'argent liquide. Mais on dit aussi que l'argent n'a pas d'odeur. Génie! Mais alors, pour devenir riche, il faut juste... Il faut boire du jus de pruneau et du laxatif. À moi la fortune! Anaïs, tu me rends mon argent, s'il te plaît? Tiens, merci. Papa, il est où? Il va nous laisser tranquille pendant tout le week-end. Il y a cru? Ouais, par contre, il faudra appeler les pompiers, je pense qu'il va se déshydrater. Papa, il s'est passé quelque chose de grave! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Morgan, il... Dis-moi ce qui se passe, ma puce. Il consomme des produits interdits! C'est dans un sac plastique sous son lit. J'y crois pas. Morgan, ça fait longtemps que tu consommes ça? Les messages d'avertissement écrits dessus ne sont pas assez explicites. Je voulais t'en parler. Me dire quoi? Que mon fils passe son temps à lire des mangas? C'est addictif. Je
sais. Est-ce que tu en consommes régulièrement? J'ai fini One Piece. Morgan, il y a 100 tomes. 100 tomes. Désolé, papa. Tu veux finir comme toutes ces personnes accros qui passent leur temps dans des festivals et qui sont déguisés en cosplay? Non, s'il te plaît, aide-moi, papa, à décrocher. Je vais t'aider, je suis là pour ça, je suis ton père. Et je vais te montrer ce que c'est une lecture saine qui te change les idées. Alors, Morgan, c'est pas mieux de lire des romans? Tu as raison, c'est excellent. Et je pense tout à fait à autre chose. Ah, il y a la police, ma puce. Tu laisses papa parler, tu ne dis rien, d'accord? Bonjour monsieur l'agent. Bonjour monsieur, papier du véhicule s'il vous plaît. Pas de problème, j'ai fait une bêtise. Non, rassurez-vous, simple contrôle. Votre fille a l'air sage en tout cas. Oh là oui, c'est un amour. Monsieur, est-ce que vous pouvez sortir du véhicule s'il vous plaît? Excusez-moi, il y a un souci? Non, aucun. Vous avez le droit de garder silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Ça t'apprendra à ne pas m'acheter ce que je veux, radin. Morgan, est-ce que tu sais où est mon... Mais non Morgan, t'inquiète, c'est parfaitement normal. Non mais c'est pas... Regarde, moi par exemple, je le faisais plusieurs fois par jour. C'est d'ailleurs à ton âge que j'ai rencontré Jennifer. Jennifer? Bonjour Morgan, ravi de faire ta connaissance. Ah t'es dégueulasse. Mais non, t'inquiète pas, Jennifer est mon premier amour. Oh oui, tous ces moments où il fallait être distrait pendant la puberté. Allez, vas-y, Morgan, c'est normal d'en parler. Tu peux l'écouter, c'est comme une maman. Je croyais que t'allais m'engueuler parce que je faisais pas mes devoirs. Bah écoute, c'est pas grave, je pensais à autre chose. Viens, Jennifer, on s'en va. Par contre, fais tes devoirs quand même, parce que Jennifer est très susceptible. Tu as intérêt à bosser, sinon je te jure que tu vas sentir passer. Tu vois, elle est autoritaire, mais c'est ça l'amour d'une maman. Oh, merci, mon chéri. Je vais changer de père. Hé, les enfants, venez voir. Ouais. Ça vous dirait d'avoir une PlayStation 5? Menteur, personne n'a de PlayStation 5. Et tu crois que je suis un menteur? C'est combien? 800 euros. Mais on n'a pas 800 euros. Ah bah c'est ça ou c'est un don d'organe? Pourquoi tu me regardes? Ravi d'avoir fait affaire avec toi, jeune pomme. Morgan, je te déteste. Papa, regarde, j'ai la PS5. Ah, c'est génial. Mais où est Anaïs? Ah bah c'était elle ou la PS5. Hein. Attends, tu te rends compte de l'irresponsabilité dont tu as fait preuve? Désolé, papa. Par ta faute, je vais devoir refaire un enfant. File dans ta chambre, privée de sortie pendant une semaine. Ok. Attends Morgane, juste une dernière chose. Quoi? Elsa contre une PlayStation 5, tu crois que c'est envisageable? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Non, Anaïs ne vient pas. Papa, dis-moi, je t'en prie. C'est ton frère, il a... Morgane? Oui, malheureusement, il est arrivé quelque chose de grave. Il a encore raté la cuisson des pâtes. Et à cause de lui, on n'a rien d'autre à manger. Je suis désolé, papa. Combien de fois je t'ai dit de mettre de l'eau dans la casserole quand on cuit des pâtes? Non seulement tu bousilles ma casserole, mais on mangera pas de fait maison ce soir. Je m'en veux. Bon, allez tous en voiture, les enfants, ce soir, malheureusement, ce sera McDo. Bien joué, Morgan. Je sais, merci. La prochaine fois, tu fais quoi? Oh, je vais faire tomber la friteuse, on ira sûrement au chinois. Pardon? Papa, c'est la Saint-Valentin. Et tu veux acheter un cadeau à ta chérie? Allez, tiens, ma carte. Par contre, pas plus de 20 euros. Je te fais confiance. Papa est amoureux. Toi aussi, tu veux quelque chose pour ton amoureux? Oui. Alors tiens, tu lui donneras un petit chocolat. Merci. Papa, t'as une idée de cadeau pour garçon? Pour un garçon? C'est pour mon amoureux. Ah, et ton amoureux? Tu sais ce qui est le plus important dans un couple? Non, c'est quoi? C'est d'entretenir la flamme pour que votre histoire puisse durer. Comment on fait? En te servant de ça. C'est quoi? C'est rempli d'un filtre d'amour à mettre sur la personne que tu aimes pendant qu'il tient une allumette. Mais il faut que ton allumette soit allumée pour lui déclarer ta flamme pour la Saint-Valentin. Papa, pourquoi il y a un garçon qui court en flamme dehors? Bah je sais pas, c'est peut-être le passage de la flamme olympique. Je sais pas, mais il y a Anaïs qui court derrière. Ah c'est l'amour ça, tant que c'est vif on court après. Mais ça finit par se consumer. Comme lui. Mais purée, voilà, ça me saoule! Papa, arrête de crier! Mais c'est toujours l'autre qui me bute aussi, Kevin le Roxor! Tu sais que les jeux vidéo rendent violent? Attends, ça va! J'arrive quand même à me contrôler. Je vois ça. Les jeux vidéo ne rendent pas violents. Eh bien viens, on va demander à ton frère. Hé hey Morgan, t'es en train de jouer à quoi là? À Call of Duty, pourquoi? Oh, mais c'est quoi ton pseudo? On jouera ensemble! Kevin le Roxor. What? Quoi? Ha! Je t'avais dit que les jeux vidéo rendaient violents. Je suis pas violent, je l'éduque. Il faut qu'il respecte ses aînés. T'es juste dégoûté qu'il soit meilleur que toi. Continue comme ça et je vais t'éduquer toi aussi. Coucou ma puce, je passe vous chercher, ça vous tente à McDo? Oh oui! Bon par contre, il me reste que 15 balles, alors on se prendra 3 Happy Meal. Non, je veux un grand menu! Bah si on était 2, ok, mais là on est 3. Et si Morgan ne vient pas? Eh bien si ton frère vient pas, on prendra 2 grands menus. Morgan, papa il a besoin de toi pour décharger les courses de la voiture. Oh purée!
Allô? Ouais, Morgan, tu te prépares? J'arrive. J'ai pas envie, papa, et j'ai pas fait mes devoirs. Tu es sûr? Ouais, au pire, t'as qu'à voir ça avec Anaïs. Je sais pas quoi dire, je suis fier de toi. Allez, repasse-moi ta sœur. Je me prépare, papa, et j'arrive. J'ai eu de la chance d'avoir une sœur comme toi. Je t'en dois une. T'inquiète, tu me payeras un McDo. Qu'est-ce que tu regardes, ma puce? Des gens qui font des vidéos. Pourquoi y a un mec qui se met une serviette sur la tête? Bah, c'est pour faire la femme. Donc si je mets une serviette sur la tête, ça fait de moi une femme? Papa, c'est ta serviette de bain. Ouais, bah les mecs qui font ça utilisent forcément une serviette avec laquelle ils vont s'essuyer, non? Tu fais quoi, papa? Eh ben, j'essaie de faire la femme. Avec une serviette? Tu penses que c'est mieux avec une casserole? Ça fait déjà plus féminin. Vous êtes sérieux, les garçons? Et si je rajoute un fer à repasser? J'abandonne. Ça m'étonne pas que les garçons utilisent des serviettes, vous êtes tellement immatures. Ah, parce que tu trouves ça mature de faire ça? Pourquoi tu me regardes comme ça, Morgane? T'es trop belle. Anaïs, reviens, ça marche! Oh! Hé, oh, oh, arrête, c'est papa! Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. C'est le pouvoir de cette serviette. Anaïs avait raison, ça fait femme. Mais ça rend encore plus immature. Papa, caca couche! Anaïs, tu changes ta sœur, s'il te plaît, je finis ma partie. Tu peux pas être un papa responsable pour une fois? Eh bien, si! Mais après ma partie. Mais je fais quoi de la couche? Eh bien, tu la jettes, ça paraît logique. Mais t'es vraiment pas très futée comme fille. C'est pour m'excuser d'être pas aussi maligne que toi. Je ne t'en veux pas, c'est l'âge. Et à ton âge, on est encore stupide. Oui, alors que toi, t'es tellement intelligent. Ouais, c'est exactement ça. C'est bon, t'en as encore. Et tu as de la chance. Il y aura du rab. Les filles, ça va être l'heure d'aller au bain. Morgane, tu peux t'occuper d'aller faire cuire la viande, s'il te plaît? Ouais. C'est prêt, à table! Papa, t'as vu Noirod? Non, pas du tout. Mais t'inquiète, on va la chercher juste après manger. Noirod? Noirod, mais qu'est-ce que... Ne t'inquiète pas, ma puce, ça va aller. Mais qu'est-ce que tu fais sur la table? T'as pas le droit d'être là, coquine! Tu crois qu'elle va s'en apercevoir un jour? Je sais pas, mais en même temps, c'est tellement beau, l'innocence d'un enfant. Allez, Noirod, ça c'est ton baba et ta maman. Anaïs, on se regarde ça? Ouais! Et voilà, super, je suis encore en panne! Go, continue à pied. Il était horrible comme film! Ouais, on va aller prendre l'air, ça va faire du bien. Eh oh! Anaïs! Morgane! Ah, c'est quoi ça? C'est moi, c'est papa! Ah, papa! Non, Anaïs, ça c'est le clown qui s'est transformé. Comment ça, un clown? Si tu es notre père, réponds à une question. Alors là, sans problème, et après vous me sortez d'ici. C'est quand ma date d'anniversaire? Tu vois, Anaïs, je te l'avais dit, c'est un monstre, on s'en va. Non, je sais, c'est le 8. Mais de quel mois? Laisse-moi deux petites minutes, ça va me revenir. Pfff, ouais, on se barre. Non, mais revenez, je vous paierai un McDo. Je te jure, papa, il doit être encore au travail. Ouais. Je vous ai même trouvé un bateau. C'est qui?